ici, on est dans le département de pose de revêtement de toiture. Notre rôle comme enseignant, c'est de préparer les élèves à la réalité du marché du travail. On essaie de leur montrer vraiment où on s'est rendu dans le marché, de suivre les tendances. Durant leur formation, les élèves y apprennent les différents types de revêtements de toiture, que ce soit bardeaux d'asphalte, membrane élastomère, TPO, EPDM, asphalte et gravier. Ils vont apprendre les différentes règles de sécurité dans un cours d'ASP. Ils vont apprendre aussi la théorie de la toiture, les caractéristiques techniques, tout ce qui est en lien avec être utile, fonctionnel, puis avoir une base pour aller travailler sur les chantiers de construction. Pour être couvreur, qu'est-ce que ça demande? C'est être attentif, vraiment avoir une vue 360 pour être sûr d'être tout le temps en sécurité et que tout le monde l'est, parce que le travail d'équipe est assez important. La formation du DEP de toiture est de 630 heures, environ 6 mois, et permet l'obtention d'un DEP délivré par le ministère. Quand on finit notre DEP, on peut devenir travailleur autonome, aller faire des réparations, partir de notre propre entreprise. J'aurais pu me diriger vers la rénovation. J'aurais pu me diriger vers d'autres grandes entreprises pour aller faire de l'industriel, du commercial. Dans plusieurs compagnies pour lesquelles les élèves vont aller travailler, c'est régi par la Commission de la construction du Québec. Alors aussi, dans le DEP, on va leur parler des différents organismes de la construction. Le Centre de formation professionnelle Le Chantier est reconnu par plusieurs entreprises du métier de la construction. Encore ce matin, on a une entreprise qui est venue nous voir pour faire du recrutement. Donc, ils savent que nos formations sont à fin pointe. Tous les jeunes qui sont ici, qui veulent, qui décident de faire ce qu'il faut pour travailler puis gagner leur vie, ils vont tous être capables de se trouver un emploi.